c'est une belle victoire de Lombès, et nous c'est une désillusion parce qu'on était venu chercher quelque chose ici. On a absolument besoin de points et aujourd'hui c'est pas passé. Félicitations à Lombès, qui est une équipe valeureuse, qui nous a mis à mal sur beaucoup de secteurs de jeu, notamment la conquête et la discipline. Voilà, nous, on va essayer de terminer bien l'année sur le dernier bloc et enfin rentrer des points. Et retrouver cette agressivité qui manque sur le terrain. Alors on souffle le chaud et le froid. Il y a de très très belles actions. Ouais, c'est vrai. Où on déplace bien le ballon, on montre bien nos systèmes de jeu. Et à l'inverse, l'action d'après, c'est complètement éteint. Pas d'envie, pas d'agressivité. Ce qui nous manque, c'est vraiment l'envie, la rage à l'intérieur du ventre pour pouvoir passer au-dessus de l'adversité. Quoi. Et cette rage, il y a trois matchs, il va la falloir pour les trois matchs qui arrivent. Hein. Mais on a été qualifié toute la saison, enfin en position de qualifier toute la saison. Là, on sort de ces places-là. S'ils n'ont pas de carburant pour avancer avec ça, je ne comprends plus. Il faut qu'ils arrêtent le rugby. Donc ça va être le message tout au long de ces deux grosses semaines de trêve. On a une qualif à aller chercher. Même si ce n'est pas les places qu'on aurait rêvé, il faut quand même qu'on fasse ça pour le club. C'est notre mission numéro 1 de la saison. Donc maintenant, à nous de faire le travail. Je sais pas si on s'est relevé la semaine dernière déjà, alors je veux pas chercher d'excuses et tout ça. La semaine dernière, elle nous a fait mal à la tête. Et là on rentre sur ce terrain, on est amorphe, on va pas chercher au fond de nous ce qu'on doit. Et voilà, du coup on n'arrive pas à mettre notre jeu en place parce qu'on n'est pas assez agressif. Eux ils le sont. Et ouais, on met pas le jeu en place, on met pas de continuité, donc on n'est pas dangereux. En plus, on est en défense, on est juste aussi. Et puis après, on veut jouer, mais on mélange un peu vitesse et précipitation, on se précipite un peu. Mais bon, c'était. Voilà, bon, donc là, on prend pas derrière la tête, mais. Voilà, on n'a plus rien à perdre jusqu'à la fin de la saison, mais là, on a trois matchs, mais bon, il va falloir les aborder différemment que ces derniers temps, parce que sinon l'issue, on la connaît. Voilà. Donc si on change un peu d'état d'esprit, peut-être on ira chercher ce qualif, mais bon, donc, on n'a plus rien à perdre de toute façon. Déception, colère, frustration, il y a plein de choses qui se mêlent là. Oui, et un peu de colère aussi parce qu'on met pas les ingrédients en fait pour gagner un match de rugby. C'est simple en vrai, on arrive ici, on connaît ce club, on connaît cette atmosphère, on sait comment va se dérouler le match, mais dans l'engagement, on a parlé de ça toute la semaine, dans l'engagement on n'a pas été présent et c'est impossible de gagner à l'extérieur en mettant si peu d'engagement. Et moi je comprends pas, honnêtement là ouais, c'est une très 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 grosse déception parce que maintenant la qualif va être très compliquée à aller chercher alors qu'on était bien jusqu'à fin 2023, on était bien, on est dans une phase hyper compliquée, on n'arrive plus à retrouver notre jeu, on n'arrive plus. Là on est en panique, on sent des joueurs qui sont dans le doute mais voilà, le meilleur moyen pour retrouver la confiance c'est de gagner des duels, c'est d'être agressif, et ça on n'arrive pas à le retrouver, et alors que c'est le béaba du rugby, c'est la base du rugby quoi, et on n'arrive pas à le retrouver, et sans ça on peut pas mettre notre jeu en place quoi. Donc c'est dur, c'est hyper frustrant, et il nous reste trois matchs et on va rien lâcher pour les gens qui nous soutiennent, qui nous aiment, qui passent des dimanches sur la route pour venir nous supporter, et nous on leur rend des copies comme ça, donc ouais, on a un peu honte de leur donner ça, on s'en excuse, et on a trois matchs pour lever la tête et pour se qualifier.